Et nous revoilà pour l'épisode 6. Alors, avant de continuer, je vais proposer à Zold de nous faire un petit compte rendu pour savoir un petit peu où il en est. Parce que on n'est pas si éloigné au niveau des points, on est un peu touche-touche. Et moi, vous avez bien vu un petit peu hein, la guerre, tout ça, la galère un petit peu au niveau de l'insalubrité et tout. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce que Zold trame dans son coin. On a vu quelques merveilles passer ici et là. Alors, t'en es où, Zolt? Bah, je viens de terminer justement le Promothéen. Ouais, le Promothéen, oui, ça a affiché pile poil à la fin de l'épisode, ce qui fait que je sais pas si vous l'avez vu, mais il a fait le Promothéen. Et donc, j'ai 1, 2, 4, 5, 6, 7 villes. Ah, 7 villes, oui. Ah, d'accord, ok. J'en vois que 3 pour l'instant, moi. Sans conquérir. Hein, ouais, en développement, ok. Oui. 7 villes, et puis, dont 2 qui sont assez récentes, voire encore à peine en ville. Et donc voilà, au niveau culture, je suis à plus 33 par tour. Plus 31, en ce qui me concerne. Ouais, ouais, je kiffe. En santé, je pense que là, il va y avoir une grosse différence avec toi. Je suis à plus 1. Plus 1? Ouais, je suis en positif avec 7 villes, c'est pas mal. Plus 1, mais c'est énorme. Oui, je suis à moins 13. Ouais. C'est pas mal. Et j'ai réussi à combler un peu le gouffre, hein, des moins et quelques, des moins 30 là. Ouais. Maintenant, moins 13 c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Sinon, voilà, j'ai 2000 balles de côté avec plus 18 par tour. J'ai 500 balles de côté avec plus 28 par tour. Ouais. Et puis plus 121 en science. Plus 136. Donc ouais. Là, c'est vrai qu'on est, ouais, on est un peu. On est proche quoi. Ouais, on est assez proche. Tiens, je vais terminer les cerveaux machines le tour prochain pour avoir les combinaisons de combat. Et puis voilà, sinon okay. Pour encore avancer sur la victoire, le contact ou alors la victoire par contact ou alors par la porte de l'exode là pour une terre promise, voilà. Mais bon, encore un peu tôt. Oui, moi non plus, au niveau des conditions de victoire, j'ai pas avancé. Là, je vais essayer de me lancer dans la victoire par émancipation. Ouais, t'as forcément avancé un petit peu dans la victoire par domination, je suppose. En fait, domination, quand tu regardes, tout le monde a avancé. Ah bon? Ouais, parce que, en gros, c'est le dernier qui possède sa capitale, donc s'il fait que s'il y en a un qui perd sa capitale, tout le monde a un point, quoi. Ah oui, d'accord. C'est pas moi qui l'ai gagné, le point. Ouais. Ok. Toi, c'est-à-dire que si je prends toutes les capitales sauf la tienne et tu viens me voler la mienne, t'as gagné quoi. Ok, je savais pas du tout comment ça marchait. Moi non plus, à vrai dire. Mais c'est pas très grave comme ça maintenant, on sait. Oui. Écoutez, voilà, donc pour le petit briefing, on va pouvoir se relancer dans la partie déplacer l'unité empilée. Donc là, j'ai encore fait un de mes robots de la mort. Je vais me rapprocher de prospérité parce que je pense que je vais aller terminer définitivement d'éclater la Franco-Ibérie. Mais ouais, je suis comme ça, pas de soucis. Tu te relances déjà dans le combat? J'ai une armée tellement puissante. Mmh. C'est-à-dire que là, je ne vois pas vraiment qui pourrait se mettre en face ou poser le moindre problème, quoi. Dès la fin du traité de paix, je les rattaquerai et je les éliminerai. Ouais. Tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si... Que veux-tu, espèce de malotru ? Impressionnant, vous acceptez de discuter plutôt que de m'abattre à vue? Quel fait l'autre. Je suis pas super populaire. Ah, j'avoue. Je crois que les gens ne m'aiment pas. Ah, j'ai pas relancé le chrono, forcément. Faudrait que j'arrête d'avoir du mal avec ce chrono.
encore ici et là quelques extraterrestres, mais bon, ils représentent pas une menace folichonne. Alors, les communications, ça va me permettre de faire une plateforme TACnet. Donc une plateforme orbitale qui donne des bonus d'attaque et de guérison. Un centre de commandement qui va booster encore les défenses et les PV de la ville. Un centre d'information. C'est pas mal. Et une galerie satellite. Pour augmenter la couverture orbitale. Pourquoi pas. Alors là-bas on a de l'or, on va aller la chercher. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des marines slaves. Ouais, eux aussi, ils ont pas l'air très très violents, à vrai dire. Ils font pas super peur, ces marines slaves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau de conspiration à Santo Adriano est à 0, donc je vais pouvoir réassigner. Ça fait quoi en fait quand le niveau est au maximum? Deux. Le niveau d'insécurité là de... Oula, je sais pas. Ouais, moi non plus. Bah, ça, donne, ça t'ouvre à toutes les possibilités de que les agents peuvent faire. Quoi, les... Ouais, j'imagine que ça améliore les... Ça doit améliorer les options. En toute logique, oui. En toute logique. Alors, un cabinet. Moi, je suis voilà, je suis les opticiens. Je ne sais pas en quoi un cabinet d'optique améliore tant que ça la santé, mais bon. Pour le coup, je vais pas cracher dessus. Moi, ça me va bien. Namasté. Ah, je viens de choper un agent... comment, enfin, le choper. Il s'est enfui, mais je l'ai reconnu. Le protectorat cavitien m'a envoyé un agent. Donc là, je peux lui dire... Oui. Je peux lui dire plein de choses. En fait, je peux réagir par rapport à son espionnage. Alors, elle me dit, cet incident ne peut être qu'un malentendu. Nos agents s'occupent uniquement des affaires intérieures. C'est pas vrai, il était pas à moi. Et là, elle me fait, suite à votre demande, nos agents ne mèneront plus d'opérations sur votre territoire. Ouais. Il y a plutôt intérêt, en fait. Je voudrais pas me montrer mal poli. Mais la prochaine fois, c'est la guerre. Ah, de toute façon. Ça va déjà très bientôt. Très très bientôt. Être la guerre. Et là, ça crie famine encore. Traité de paix avec les... Voilà. La fin du traité de paix. Oula. T'as vu ça? La coopérative panasiatique a organisé un coup d'état? Oui. Un coup d'état. Et en fait, il a perdu sa capitale, le mec. Je lui ai piqué. C'est moi, la coopérative. Ah, mais c'est toi? Ah oui. Mais... Donc voilà, maintenant, tu sais à quoi ça peut... Ce que ça peut donner, une...
truc maximum avec les coups des esprits. Un coup d'état. Ah ouais. Voilà, j'ai piqué la capitale. Excellent. Bah super bien joué, hein. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, tout le monde a avancé effectivement dans la. Ah, il avait qu'à être plus. Et j'ai pas de malus, hein. Ça pique la capitale, tout de suite je peux lancer des constructions, je fais ce que je veux avec et j'ai aucun malus. Hein. Enfin, j'ai des malus forcément parce qu'il y a une augmentation de la population, mais. Pas plus que ça. Bah écoute, c'est plutôt bien joué, du coup. Ouais, c'est pas mal. C'est carrément pas mal. Bon, dans un autre ordre d'idées. 18 tours, il a fallu attendre le moment. Espèce de malotru. Ouais, non, mais tu peux faire ça différemment, hein. Ça marche aussi avec les troupes. Hein. Alors, ici, nous avons une mine de cuivre. Ici, nous avons les routes commerciales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux attaquer? Je peux attaquer un ouvrier. Pas un intérêt délirant. Cela dit, je l'ai capturé. Ça, c'est plutôt cool. Où sont... Voilà. Non, c'est ça qui m'intéresse surtout, moi, c'est de pouvoir... J'aimerais pouvoir les pilonner. J'ai lancé cette guerre n'importe comment. Tellement sûr de ma supériorité que... Alors, on a découvert les communications. Vous avez découvert les communications. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et donc du coup, maintenant je sais communiquer. C'est pas dit. Ah ouais. Alerte intrusion. Voilà. Alerte, il n'y a plus d'intrusion. Alors, quoi d'autre? Ici, la Phyraxite, c'est fait. Ah si, j'ai une loi martiale quand même qui réduit la production dans la ville que j'ai capturée en faisant un coup d'état pendant 14 tours. Enfin, 15 de plus. Oui, enfin, c'est pas non plus... hein. Non, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un disciple. Il va... C'est quoi? C'est un autre disciple qui a pris un peu cher. Il... Ah, c'était la ville qui avait fait la nanothermite. Ah, t'as volé du coup une merveille? Oui. Ah oui, tu vois, la loi martiale, ça me le met. La loi martiale a été déclarée dans la ville. Tu sais, au-dessous de Cabrost. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais, il y a une loi martiale quand même. Quoi. Des petites chaînes. C'est pas la fête. Non. Plus vous en savez. Technologie gratuite. Ah bah oui, complètement. Oui. J'ai le droit à une technologie gratuite, je vais pas me faire prier. Porte de l'Exode, non? Ah, je peux pas la chercher, je suis deg. Je peux pas chercher ça. Alors, un truc qui coûte les dynamiques sociales. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça nous sert pas vraiment. Enfin, on va pas dans le sens qu'il faudrait en fait. Qu'est-ce qui nous servirait en
science gratuite. Il y a des choses qui nous serviraient, malheureusement. On n'est pas parti dessus tout de suite. Et donc c'est bête. C'est comme ça. Non, 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 non. Tout ça ne nous intéresse pas. Ça nous... Ça, c'est pas mal, ça. Allez. J'ai découvert les dynamiques sociales. Ouais. Alors... alors là, je peux la garder. Si je l'annexe, ça fait quoi? Dégradation de la santé de 22. Ou je peux la raser en fait. Je sais pas s'il vaut mieux la raser ou la prendre. Sachant que si je la rase, de toute façon, elle va... Non, allez, hop. Annexion. Cœur. Annexion aussi. Voilà, moins 34. C'est parti. J'ai tout annexé. Par contre, ouais, ça gueule un peu. Mais ils ont pas disparu encore, il leur reste une ville. Ah non, non, il leur reste pas de ville, ils ont disparu. Qui? La Franco-Ibérie. Oh. Ça n'existe plus. Toujours la dalle. C'est classiquement. Hein.